Et bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour présenter petits accessoires que j'ai reçus, mais surtout des écrous anti-vol. Alors ces écrous anti-vol en fait, je vous en avais déjà présenté sur ma chaîne il y a quelques mois de cela, et là ce sont des nouveaux venus et ils sont vachement bien. Alors je les ai pris pour moi, voilà, parce que ces écrous ils peuvent s'installer aussi bien pour les amortisseurs, hein, pour ceux qui veulent pas se faire chourer leurs amortisseurs, mais moi je les ai pris pour mettre sur mon échappement, parce que même s'il n'y a pas forcément de vol ici, hein, à force d'entendre les gens, enfin mes abonnés me dire oui je me suis fait piquer le pot d'échappement, je me suis fait piquer un amortisseur ou ce genre de choses, bah, voilà. Donc au final ça m'a fait psychoter, alors j'en ai acheté, hein, voilà. Et moi ça va être en fait pour mon pot Yoshimura, et comme il est tenu qu'avec une seule vis et que c'est assez facile après d'enlever les ressorts et de partir avec, quoi, je me suis dit, bah, dans le doute, hein, même si j'ai jamais eu de problème de vol ici en Thaïlande, eh bien je vais en mettre un quand même, voilà. Et puis comme c'est pas moche, hein, ça donnera un petit style en plus. Donc voilà, donc par la même occasion, eh bien vous présenter. Alors oui, donc il y a quand même, hein, pour les écrans anti-vol, il y a la petite douille, hein, pour les desserrer, les serrer, à ne pas perdre, hein, surtout, tant qu'à faire. Et puis bah, on va parler aussi des petits accessoires que j'ai reçus récemment. Des leviers de frein d'origine façon carbone, un bouchon de remplissage d'huile. Et un enjoliveur du cover en fait, hein, que vous avez sur votre pot d'échappement. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye.